Voilà la deuxième partie de ce diptyque. L'épisode précédent a été réalisé sur la ravissante Cécile et ses cheveux courts. Aujourd'hui, place à la jolie Valérie et sa coiffure nouée à l'air tressé. J'ai fait le choix de placer la raie de Valérie au milieu, mais ce n'est pas obligatoire. Le principe des tresses nouées est simple. On fait un nœud basique avec deux mèches et on enrichit la mèche du bas par des cheveux pris en dessous. C'est un petit peu le même principe que la tresse collée vue dans l'épisode précédent. Terminez la rangée de nœuds par une petite épingle. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 8 pour voir cette étape plus en détail. Munissez-vous de la laque Elnette Lumière, puis laquez. Elle fera briller votre coiffure de mille feux. On réalise ensuite la deuxième partie de la coiffure de la même façon. Pour terminer, faites se rejoindre les deux tresses, puis fixez et peaufinez avec les épingles. Un dernier coup de laque pour faire pétiller tout ce beau monde capillaire et c'est terminé. Merci à Cécile et à Valérie ainsi qu'au pasteur de l'Oratoire de Paris de nous avoir permis de filmer en ce haut lieu. Je vous souhaite de beaux mariages et de belles coiffures et je vous dis à très vite, capillairement vôtre.